Bonjour, je suis Laurent, chef de projet Build chez DirectSkills depuis 2018. Auparavant, j'étais chef de projet dans le monde des médias, puis j'ai basculé dans les systèmes d'information pour les ressources humaines après un MBA en 2016. J'ai rejoint DirectSkills pour m'occuper de projets de grande ampleur avec des entreprises qui sont de grandes sociétés, beaucoup d'interlocuteurs. Je travaille avec des DRH, des comptables, des contrôleurs de gestion, des DSI, et je trouve cette variété très enrichissante. Et puis, j'ai cru en valeur de l'entreprise. Le logiciel permet de respecter la législation tout en permettant d'optimiser les coûts pour nos clients. Mon évolution au sein de l'entreprise, ça a d'abord été une montée en compétences sur le logiciel, les problématiques très spécifiques de l'intérim, qui m'a été inculquée par les équipes en place et les dirigeants, qui sont des experts depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je peux m'occuper de tous les aspects du projet, juridique, RH, les systèmes d'information, les intégrations avec la comptabilité pour les provisions ou les autofactures. Je m'occupe aussi de la normalisation de tous les supports de projet et de la planification avec notre outil Cyforma et aussi de l'intégration des nouveaux entrants dans l'équipe Build. En tant que chef de projet de l'équipe Build, je m'occupe d'accompagner le client dans la mise en place du logiciel dans son entreprise. Le client a pas mal d'informations à mobiliser en interne, donc je l'aide, je le coach dans la formalisation de ses informations, dans la formalisation de ses besoins d'intégration avec les autres systèmes d'information. Je suis avec le client du début jusqu'à la fin du projet, jusqu'au moment où il est complètement autonome et qu'il peut utiliser l'outil en autonomie. Et là, ensuite, il passe chez mes collègues de l'équipe Run. Pour l'accueil des nouveaux chefs de projet Build, nous avons mis en place du mentorat. DirectSkills, c'est un hyper spécialiste. Il faut connaître le logiciel, les stratégies de paramétrage, le secteur d'activité. On accueille les nouveaux entrants, on leur explique la technique, le déroulé du projet, tout le paramétrage. Ils sont avec moi sur mes projets, puis ensuite je les suis sur leur premier projet. On fait des points réguliers où on en parle simplement le matin au café.